Souvenirs les plus anciens en matière spirituelle, c'est mon éducation religieuse, protestante, l'école du dimanche comme enfant, l'instruction religieuse à 14-15 ans. Ce qui dominait, c'était le fait de croire ou de ne pas croire en Jésus. De croire ou de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et assez sommairement, si je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je suis sauvé. Si je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu incarné, je suis dans le péché. Et puis une morale. Une morale qui, dans le protestantisme, à cette époque, était très stricte. Incompréhensible aujourd'hui, où les mœurs ont tellement changé. Si je me souviens de mon enfance et mon adolescence, j'ai grandi dans un monde tellement différent du monde actuel. Aujourd'hui, à 6 ans, les enfants savent ce que c'est qu'un préservatif. Moi, je me souviens, j'avais 14 ans, donc à la déclaration de guerre, nous nous sommes installés à Nîmes. Et j'ai découvert que les autres au lycée de Nîmes parlaient de thèmes que j'ignorais complètement, utilisaient un vocabulaire dont je n'avais aucune idée. J'ai eu l'impression très douloureuse, mais on ne m'a rien dit. Le monde, autre que mon enfance protestante, je ne suis pas du tout prêt à l'affronter. Un matin, un professeur était absent. Je demande à un plus grand, plus âgé, où est-ce qu'il est ? Et il me répond... Finement, il est allé au bordel tirer un coup. À 14 ans, je ne connaissais ni le mot bordel, ni l'expression tirer un coup. Ça me fait sourire, mais c'est une histoire vraie. Je savais que l'école... Nous étions en climat de... On venait de déclarer la guerre. Hein, donc c'était un climat particulier. Déclarer la guerre à l'Allemagne. C'était un climat particulier. Je savais que l'école navale se disait Borda. Comme on dit, l'X pour Polytechnique. Je me suis dit, ça doit être un
filiale de l'école navale dans la région de Nîmes, et tirer un coup, ça doit être tirer au fusil, de la préparation militaire. Il est probablement officier de réserve. Tu vois dans quelle direction je suis parti. Et puis en même temps, je me suis bien rendu compte que ça pouvait pas être ça. Et je ne savais absolument pas où, auprès de qui me renseigner. Donc j'ai été finalement très marqué par l'idéalisme, pas très réaliste, pas les pieds sur terre. Et les gens qui auraient voulu être un peu critiques, même quand j'avais 29 ans, auraient encore parlé à Arnaud, ce petit boy scout idéaliste. J'avais réussi ce que nous appelions à l'époque le premier bac. J'étais en philo. La philo m'intéressait beaucoup. Et aux matinées classiques de la Comédie française, pour lesquelles mes parents m'avaient offert un abonnement, j'ai découvert, comme un coup de foudre absolu, le théâtre classique, la tragédie, Racine, Corneille. Et c'est devenu une fascination. Je veux jouer sur la scène de la Comédie française les grands rôles du répertoire. Seulement, ce qui s'est produit, c'est que ce qui était vraiment une vocation à l'époque de tragédien s'est heurté à une opposition catégorique de mes parents. Et la situation, à mesure que les années passaient, mûrissaient, est devenue vraiment de plus en plus déchirante pour moi. Et l'opposition de mes parents et l'argument massif, si je puis dire, de mon père, tu fais de la peine à ta mère. Ceci dit, à condition que je fasse Sciences Po et que je termine Sciences Po, mes parents m'ont offert le cours Simon, un cours de théâtre qui était célèbre à l'époque. J'ai eu comme condisciples Pierre Mondy, Michel Piccoli et beaucoup d'autres. Et ça a été une révélation immense pour moi. Première ouverture sur un autre monde que celui de mon enfance. Et puis, je me suis présenté au concours d'entrée au Conservatoire national. J'ai été pris assez facilement aux éliminatoires, sans avoir un talent éblouissant comme celui de Gérard Philippe. J'avais un bon physique et surtout une voix très travaillée à l'époque. Et là, ma mère s'est mise à pleurer à l'idée que j'allais peut-être entrer au conservatoire et que c'était la perdition. Mon père m'a dit « Tu es en train de tuer ta mère, j'ai pas pu le supporter. » J'ai été voir René Simon en lui disant « Finalement, je suis pas fait pour être comédien, je veux être metteur en scène de cinéma. » C'est sorti comme ça pour que je me rattrape à quelque chose. Ceci dit, j'ai refait, en pleurant dans la rue, tout le trajet depuis Saint-François-Xavier, Sèvres-Babylone, la rue de Le Vieux Colombier, jusqu'au boulevard Saint-Michel, où j'habitais, complètement effondré. À partir de là, ça a été en fait des années très douloureuses. Je suis rentré comme stagiaire avec mon diplôme de Sciences Po dans une banque dont un cousin de ma mère était PDG. C'était l'horreur. Et dès que je n'étais plus à faire le tour des différents services de la banque, comme un fou, j'apprenais par cœur des rôles que j'étais destiné à ne jamais jouer. Et en même temps, c'était si fort que pendant un certain temps, je ne pouvais plus descendre au métro Palais-Royal parce que je me serais trouvé juste devant le bâtiment de la Comédie française. J'ai rencontré une jeune fille qui m'a complètement ébloui. Et je n'avais jamais eu d'expérience féminine, même à cet âge-là, elle non plus. Ça a été un amour comme Victor Hugo peut décrire dans Les Misérables, celui de Marius et Cosette, que la tuberculose a brisé. Le père de la jeune fille, qui a
considérait qu'il ne pouvait pas laisser sa fille s'engager, engager sur son existence avec un tuberculeux. Il faut dire qu'à l'époque, la tuberculose était encore la maladie terrifiante et qu'on en parlait comme on parlerait du sida aujourd'hui. La rupture arbitraire de mes fiançailles, des fiançailles qui étaient vraiment un engagement, a représenté l'effondrement de toute l'idéologie du milieu d'assez cohérent dans lequel j'avais grandi. Il y avait le monde de la morale, de l'éthique, de l'idéal scout, du protestantisme, et de l'autre, il y avait des êtres égoïstes qui en prenaient à leur aise avec la morale. Donc, il faut bien dire que c'était assez tranché, le bien, le mal. Et c'est pour choisir le camp du bien et non pas celui de la corruption que j'ai renoncé à ce monde de débauche qui était le théâtre aux yeux de mes parents. Et quand les fiançailles ont été arbitrairement rompues, que les pasteurs des deux familles n'ont pas levé le petit doigt pour essayer d'éviter ce qui a été, pour la jeune fille comme pour moi-même, une immense tragédie. Tout ce monde auquel j'avais sacrifié mes ambitions artistiques, mon envie de vivre large, vaste, mon envie d'aventure, s'est effondré. Donc je suis arrivé au sanatorium, sans aucun avenir professionnel qui puisse vraiment me motiver et me faire envie. Avec des fiançailles qui avaient été le ciel descendu sur la terre, brisées. Ayant perdu tous mes repères. Et la tuberculose à l'époque était une maladie grave. Donc on peut dire d'un point de vue, c'était le désastre absolu. Aucun avenir, plus rien que l'effondrement. À 24 ans, dans mon malaise, un ami d'enfance, Olivier Cambacédès, qui a écrit un petit livre sur Swami Prajnanpad, a utilisé avec moi des expressions qui étaient complètement nouvelles, notamment le mot « identification ». T'es tellement identifié, ou bien, qu'est-ce que tu veux, quand t'es en face d'une fille, t'es tellement identifié à tes émotions qu'elles n'ont plus personne en face d'elles. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ben voilà, c'est mon frère qui m'a dit ça. Finalement, de fil en aiguille, j'ai compris que son frère aîné avait rencontré quelqu'un qui apparaît en France, qui pouvait donner un enseignement comme ceux que j'avais entrevus dans le livre de Lanza del Vasto, mais en France. Et j'ai parlé avec ce frère aîné et j'ai rencontré un certain Bernard Lemaître, un protestant d'origine, dont je savais qu'il était en relation avec une certaine dame. Je n'en savais pas plus. Et qu'il allait créer un groupe dans lequel il proposerait certaines pratiques. Voilà. J'ai été dans ce premier groupe. Et là, j'ai découvert une vérité très vite, une notion capitale. Capitale, ce que nous appelions l'identification. Être complètement pris, emporté par le jeu des actions, des réactions au fil de la journée. Et, au contraire, le rappel de soi, self-remembering en anglais. C'était très clair. Ou je suis en état de présence, de conscience, de rappel de soi, ou je suis disparu, englouti par le courant des agitations, des préoccupations, identifié. Le point d'appui, le garant de cette non-identification, c'était une relation consciente avec le corps physique. La sensation. Tant que je conserve la sensation du corps, je ne peux pas être de nouveau complètement repris, englouti, disparu dans l'enchaînement des pensées. À ce moment-là, je suis tombé malade, je suis parti pour le sanatorium des étudiants
à l'âge de 24 ans, tuberculose pulmonaire aiguë. Et au Sana, j'ai reçu, cadeau de ce Bernard Lemaître, qui a joué un rôle bref dans mon existence, mais fondamental, qui m'a sauvé, le livre « Fragment d'un enseignement inconnu » d'Ouspensky, qui venait de paraître. Là, ça a été alors un émerveillement. Je lisais ce livre, ébloui. Mais ça me donne des clés de compréhension, mais on ne m'a jamais dit ces choses-là. Nulle part, ni dans mon éducation chrétienne, ni dans les études que j'avais faites, c'est-à-dire le droit et Sciences Po. Je me souviens, parce que ça a été très fort pour moi, dans nos activités culturelles du Sana, un débat avait été organisé autour du thème « L'émancipation de la femme » à partir du livre « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. Le thème de l'avortement, qui était encore considéré comme criminel à l'époque, est venu dans le débat, et deux étudiants en médecine, qui tous les deux avaient été internes des hôpitaux de Paris, donc j'étais plus âgé que je ne l'étais. L'un était très catholique, l'autre pas du tout, et ils se sont affrontés, et le ton a monté, en affirmant prendre appui sur une expérience clinique indiscutable, l'un voulant prouver que l'avortement était un crime et qu'aucune femme qui s'est fait avorter n'en est sortie indemne, et l'autre voulant prouver que l'avortement était un des piliers de l'épanouissement possible de la femme. Devant une telle conviction, une telle intensité pour plaider sa cause, et une telle incompréhension mutuelle, et une telle contradiction radicale, c'est peut-être pour la première fois que je me suis dit « qu'est-ce qui me prouve que moi, je suis dans la vérité quand je suis convaincu de quelque chose » Qu'est-ce qui me permet de dire « ça c'est la vérité, ça c'est l'erreur » Et c'est un moment important. J'avais tellement été éduqué dans le sens « voilà ce qui est vrai, voilà ce qui ne l'est pas, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, voilà ce qui se fait, voilà ce qui ne se fait pas, à tout point de vue ». Depuis l'éthique et la morale la plus exigeante jusqu'à la manière de manger proprement à table. Tout était bien clair. Et là, j'ai vraiment compris une vérité évidente, mais qui m'avait échappé. Mais les hommes ne sont pas du tout d'accord. Et je ne peux pas dire il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Je ne pouvais plus. Il y a ceux qui sont dans la vérité, ceux qui n'y sont pas. Il y a sûrement une vérité. Il y a sûrement une erreur. Mais qu'est-ce qui me permet de dire « moi j'ai la vérité et l'autre est dans l'erreur ». Donc j'ai été pris par un doute très profond sur mes propres convictions. Et un doute ô combien précieux. Qui était éclairé par les idées maîtresses du livre « Fragment d'un enseignement inconnu ». À la sortie du sanatorium, j'ai repris contact avec ce nommé Bernard Lemaître, mais en sachant qu'avait existé un monsieur Gurdjieff, qui était mort pendant que j'étais au Sana, et à qui on devait cet enseignement. Je me rends compte avec le recul, Bernard Lemaître a été le premier témoin de mon existence, d'une autre réalité possible, d'un chemin, de tout ce que je devais découvrir par la suite. Et comme c'était un élève déjà ancien de Gurdjieff et qui avait beaucoup pratiqué pour lui-même, il avait une présence auquel je n'étais pas du tout habitué. Et quand il était en face de nous, et surtout qu'il nous regardait, il avait un regard beaucoup plus direct, profond, que tout ce que j'avais pu rencontrer jusque-là. Il me parlait avec beaucoup de chaleur, je sentais vraiment désireux de m'aider. Je me suis accroché à lui comme un fils qui tout d'un coup trouve un père. Ce qui fait que pendant 2 ans et demi,
ça a été la lumière de mon existence. Nous nous réunissions une dizaine, c'était des groupes assez restreints, autour de lui chaque semaine. Et j'attendais ce jour-là avec impatience. Et je revois l'escalier pour monter chez lui, près de la tour Maubourg. Et puis, il aimait bien la navigation en mer. Et il a disparu, corps et bien, avec son petit bateau en Méditerranée. Et quelque chose m'a ensuite, sa présence m'a ensuite toujours manqué pendant les années qui ont suivi dans les groupes Gurdjieff. À partir de cette rencontre avec les groupes Gurdjieff, qui avait déjà soutenu toute ma période de malade en voie de guérison au sanatorium, je n'ai plus pu être complètement perdu. J'ai été désespéré, j'ai été malheureux, j'ai l'impression de suffoquer, d'être pris à la gorge par l'existence. Je savais qu'il existait en dehors des péripéties de l'existence une voie possible de transformation. J'ai commencé à me sentir peu à peu plus sûr de moi. En même temps, je suis entré à la télévision en 1952, fini de galérer, fini les professions qui ne m'intéressaient pas et de toute façon qui ne débouchaient sur rien. À partir de là, ma vie s'est transformée. J'étais dans un milieu que j'aimais, qui me passionnait. Je suis très vite devenu premier assistant d'un des grands réalisateurs de l'époque, Marcel Bluval, des gros tournages dont j'étais en partie responsable. Ça a été une vie vraiment très heureuse et où j'ai pris beaucoup confiance en moi. Et d'autre part, c'est bon, ce qui compte encore beaucoup quand on est jeune, au lieu d'être totalement inhibé en face des jeunes filles comme je l'étais jusqu'à mon séjour au Sana, ébloui et inhibé, j'ai pris de l'audace, de l'aisance, j'ai commencé à avoir des succès féminins dans ce milieu du théâtre, de la télévision. Je devenais tout de même plus sûr de moi. Et c'est quand j'ai été homologué réalisateur que j'ai eu l'audace de demander en mariage une femme qui m'impressionnait beaucoup dans les groupes Gurdjieff et qui était Denise, connue sous l'époque sous son nom de peintre et de décoratrice, Denise Chénet. Et au bout d'une 9 ou 10 ans, j'ai commencé à avoir l'impression que je tournais en rond, que ça se répétait, que c'était vrai, mais toujours pareil, et que si ça continuait comme ça, je n'allais pas changer en profondeur. Et je ne sentais pas que les groupes, avec tout ce qu'ils m'avaient apporté de vrai, me donnaient vraiment les moyens de faire face aux souffrances quand je me sentais, pour une cause ou une autre, perdu, malheureux, désemparé, de grandes angoisses au niveau financier, puisque j'étais salarié au cachet et souvent chômeur. Quelque chose a mûri peu à peu. Je ne trouve pas tout ce que je cherche. Alors, dans ces années, à bien des égards difficiles, 1958, un producteur de télévision pour qui j'étais réalisateur me dit « Vous vous intéressez beaucoup à l'Inde, mais parce que vous ne connaissez pas l'aspect mystique du christianisme. Vous devriez faire l'expérience de rencontrer des moines dans un monastère. » Et il m'a suggéré d'aller à l'abbaye trappiste de Bellefontaine, en Vendée, où il connaissait quelqu'un. Donc j'ai écrit à l'abbé. C'était avant le concile. Voilà, je suis protestant, mais je voudrais découvrir la vie spirituelle catholique. Est-ce que je peux passer mon mois de vacances cet été chez vous? L'abbé m'a dit oui, mais il a été étonné. Qu'est-ce que c'est qu'un protestant qui demande à passer un mois, alors qu'un beau catholique vient passer 4 jours? Donc il m'a rencontré dès que je suis arrivé. Et il y a eu une rencontre, un échange, qui dure encore aujourd'hui, même s'il a résilié sa charge d'abbé. Et ça a été un éblouissement pour moi. J'ai découvert toute une littérature
catholique, ce qu'on appelle la littérature ascétique et mystique, ou encore contemplative, des témoignages de moines, d'abbés de monastères. L'atmosphère de l'abbaye a eu un immense écho en moi. Je pouvais avoir des entretiens avec le prieur, le maître des novices, ou certains moines ayant étudié plus en profondeur tel ou tel aspect du catholicisme et qui pouvaient répondre aux questions théologiques que je leur posais. Certaines questions les étonnaient un peu, mais j'avais impérativement besoin de mieux comprendre ce qui faisait la spécificité du christianisme et ce qui faisait ou ne faisait pas un fossé radical entre le christianisme et les religions asiatiques. Donc sur un plan intellectuel, théologique, ça a été une grande bénédiction pour moi qui avait été marqué par une éducation chrétienne et l'affirmation qu'il n'y a aucun salut en dehors de la personne de Jésus de Nazareth, Verbe incarné. Et puis il y a eu j'ai commencé à être imprégné d'un thème tout simplement de confiance que j'ai beaucoup retrouvé en Inde, notamment auprès de Swami Ramdas. Confiance, lâcher prise, ne craignez rien. Évidemment, c'était tout à fait un terme religieux. Donnez tout à Dieu, Dieu vous protégera à travers les épreuves, à travers les difficultés, Dieu sait où il vous conduit. Je me suis volontiers ouvert à ce langage religieux parce que c'était déjà dans ma nature. Chaque fois que j'irai dans un milieu nouveau, je me rendrai complètement disponible à ce milieu nouveau. Puis ensuite, je verrai comment je peux digérer, assimiler. Au bout de 3 semaines, je suis parti. Mais 3 semaines en partageant en grande partie la vie des moines, c'était quand, et coupé de tout derrière la clôture, c'était très fort. Les prières, la nuit, le silence dans l'église entre le premier office et le deuxième, quand le jour commence à se lever à travers les vitraux, je ne touchais plus terre. J'avais l'impression qu'un immense changement s'était produit en moi, que Dieu me portait. Et 2 heures après avoir franchi la clôture pour me diriger vers La Baule, en voiture, je me suis arrêté dans un café au bord de la route pour faire une petite halte et boire quelque chose. Et tout d'un coup, dans ce décor complètement profane, j'ai vécu une incroyable souffrance. J'ai tout perdu. J'avais pas tout perdu. Mais j'ai compris combien, dans un milieu protégé, on pouvait se croire plus avancé qu'on ne l'était réellement. Et ça, je m'en suis souvenu, même dans les ashrams hindous. Attention, une fois rentré en France, qu'est-ce qui va en rester ? Entre les difficultés conjugales que je n'ai jamais cachées, mais qui étaient horriblement douloureuses pour moi, et sûrement pour Denise aussi, et l'échec de la télévision, je tournais, mais que des petits films sans intérêt, où jamais mon nom n'aurait figuré dans Télé 7 jours ou dans Télé Magazine de l'époque. J'étais arrivé à une impasse. Et c'est cette impasse qui a finalement été le déclencheur du premier voyage en Inde en 1959. Je suis parti pour l'Inde avec une petite caméra, quelques bobines de film, très peu, et aucun contrat de la télévision. Et là, j'ai découvert l'Inde. Je m'y suis senti assez à l'aise. Et j'avais quelques adresses. Et j'avais décidé d'aller d'abord à l'ashram célèbre du Swami Shivananda Sarasvati,
à Rishikesh, au bord du Gange, juste à la sortie des montagnes, qui avait le, qu'on appelait Divine Life Society. J'ai donc conduit des lits à Rishikesh, sur les routes de l'Inde, encombrées de vaches, de cyclistes, de gens qui dorment à l'ombre des arbres, même si l'ombre est due sur la route, ils dorment sur la route, en tout cas à cette époque. Et arrivé devant l'ashram, j'ai été pris de peur. Je ne suis pas arrivé à rentrer dans l'ashram. Ça, je m'en souviens très, très bien. Je me suis demandé ensuite pourquoi j'avais eu vraiment cette peur. Je crois que ça vient de très profond, beaucoup plus profond que je n'ai pu deviner à ce moment-là, et que j'avais l'intuition que j'allais m'engager dans une nouvelle étape de mon existence qui ne pourrait pas ne pas amener des bouleversements. Je suis remonté dans la voiture, j'ai continué à conduire en direction des montagnes, remonté un peu la vallée du Gange. Mais qu'est-ce que je fais, où je vais? Et puis j'ai fait demi-tour. Finalement, j'ai garé la voiture et j'ai osé, j'ai franchi le portail, je suis rentré dans un monde qui était vraiment alors complètement nouveau pour moi. Et j'ai vu, je me suis ouvert à cette noblesse, cette présence du Swami Shivananda. Et ce qui m'a frappé tout de suite, et qui m'a frappé ensuite avec tant d'autres sages, c'était un des premiers grands enseignements, comment cet homme, à ce point accompli, à ce point célèbre, peut-il être si simple, aucune prétention, si humble, si plein de bonté, comment il regardait toute personne venant se prosterner devant lui, comme on le fait en Inde, quelle affection il montrait, quel amour émanait de lui. Et puis de là, j'ai quitté Rishikesh, j'ai conduit sous la mousson, la pluie, les rivières qui débordent, tout était nouveau pour moi en Inde, jusqu'à Bombay. J'ai trouvé un petit hôtel à Bombay et plusieurs heures par jour, j'ai travaillé, étudié dans cet institut de Hatha Yoga, dépendant d'un institut de recherche médicale sur le yoga très connu à l'époque, qu'on appelait l'institut de Lonavala. Alors là, j'ai pu pratiquer des exercices qu'on enseignait, que Sri Mahesh, en tout cas, ne nous enseignait pas, comme de s'enfoncer un cordon dans le nez, de retirer par la bouche et d'opérer un nettoyage, ou bien d'avaler de la gaz pour se nettoyer l'estomac, qu'on rejette ensuite. Et de très grande rigueur technique pour les postures. Et à ce moment-là, j'ai télégraphié à Denise de venir me rejoindre. Elle a confié notre fille à ses parents. Elle est venue me rejoindre à Bombay. Et de là, au bout de quelques jours, nous avons pris la route pour Benares, pour rencontrer Mahananda Mayi. Par chance, parce que Mahananda Mayi, ça, nous ne le savions pas, se déplaçait sans cesse, un mois ici, trois semaines là, elle était dans son ashram principal à Varanasi, comme disent les hindous. Nous avons conduit pendant trois jours sur les routes de l'Inde, couchant dans la voiture pour économiser les hôtels, même bon marché. Nous sommes arrivés tard, en fin de journée, à Benares. Il fallait trouver le quartier de Badaini, dans une ville bruyante, grouillante de foule. Nous avons garé la voiture, prenant tous les risques, parce que la voiture, on l'a garée peut-être à 300 mètres de l'ashram, pleine, chargée. Nous nous sommes engagés dans une toute petite ruelle où ne peuvent circuler que des rickshaws et quelques vaches. Nous sommes entrés dans l'ashram. C'était la puja du soir. Beaucoup de monde. Le clair de lune sur le Gange. Le vacarme des cymbales, des trompes, des gongs. Et une hindoue se tourne vers nous et nous dit « Mother, mother !» Une femme arrivée, habillée de blanc, des longs cheveux noirs,
Nous étions un peu sonnés, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis des hindous nous ont dit que nous ne pouvions pas être logés à l'ashram, mais nous ont indiqué tout près un hôtel convenable et bon marché. Et le lendemain matin, nous sommes revenus, très peu de monde, ça c'est inoubliable, inoubliable. Dans cet ashram, il y avait un étage, une galerie devant des temples, protégés par des grilles qui s'ouvraient pour laisser pénétrer le prêtre, sur une petite plateforme qu'il a surélevée un peu, couverte de draps blancs, Mahanandamayi. Nous étions 10 maximum, assis à ses pieds. Elle a parlé, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Il y a eu de longs moments où elle est restée en silence. Et dans ces cas-là, voilà, dès le premier jour, j'ai revécu ça des centaines de fois auprès d'elle, son regard se fixait au loin. Je me demandais, mais avec quel monde est-elle en contact, dont elle était pour moi la preuve vivante. Des paroles des évangiles me revenaient à l'esprit. Nous avons vu et nous avons cru. Ça dépassait la présence, le rayonnement, l'émanation, la beauté de cette femme qui avait un peu plus de 50 ans à l'époque, mais qui paraissait encore très jeune. Dépasser tout ce que j'avais pu rêver, espérer, imaginer en lisant des descriptions de sages hindous, notamment chez Jean Herbert. Et cette impression suprahumaine, Denise a ressenti la même chose. On nous a fait déjeuner à l'ashram, sur une petite plateforme, je la revois encore dans la cour. La Maharanée de Mandy, qui parlait très bien anglais, nous tenait compagnie. Et à ce moment-là, tout d'un coup, Denise m'a dit « Oh, quel dommage, à peu près ça. C'était si beau aussi. J'ai un trouble de la vision, je vois des petites lumières, qu'est-ce qui m'arrive ?» Comme si c'était un peu plutôt fâcheux. Et puis tout d'un coup, j'ai vu ma propre épouse transfigurée. Elle en a rendu témoignage elle-même. C'était... Je me suis dit, alors c'est ça la puissance du sage. En fait, ce n'est pas si courant que ça autour d'elle. La Maharanée de Mandy m'a dit, mais est-ce que c'est habituel chez votre femme? J'ai dit, non, pas du tout. Quelques femmes ont été chercher Mahanandamayi. Qui est descendu, qu'on a dérangé. À ce moment-là, Denise est un peu revenue à elle. Il y a eu un échange de regards absolument inoubliable pour moi entre Mahanandamayi et elle. J'étais complètement dans un autre monde, entre le darshan de Mahanandamayi qui déjà m'avait produit sur moi un impact définitif, je dirais. Denise en samadhi, Ma l'a pris par la main, l'a amenée devant le temple. Elle était là, les hindous venaient se prosterner devant elle. Une hindoue a mis son bébé dans ses bras, les bras de Denise. Je ne sais pas si elle était très consciente ou à peine. Ça m'a donné une image de Denise du point de vue spirituel très forte. Et qu'en même temps, ça a perturbé la relation que je pouvais avoir avec Denise comme épouse. Dans ce sens qu'il est toujours resté à l'arrière-plan une nostalgie de revoir cette Denise-là que j'avais vue pendant une journée. Bon, ça a continué pendant tout ce voyage. Denise était, je ne la reconnaissais plus. La vie était à la fois divine et très difficile auprès de Mahanandamayi. C'était comme ça, ne serait-ce que parce que Mahanandamayi était entouré d'hindous orthodoxes, pour qui les étrangers étaient vraiment en dehors de la pureté rituelle et du régime des castes. C'est une expérience de se trouver du mauvais côté de la barrière. Par rapport à tous ces brahmanes hindous, je suis
aucun d'eux n'aurait dit un intouchable, mais je suis hors de leur monde et je n'y aurai jamais part. Donc il y avait à la fois cet émerveillement, cette joie indicible par moment dans la présence de Mahananda Mayi, et des souffrances. Et l'important, c'était, immature comme je l'étais encore à l'époque, de me dire, mais pourquoi je suis en Inde? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le prix à payer? Est-ce que je suis venu pour être choyé, reconnu, admiré? Et elle m'a, rien que par sa présence, le climat qui régnait autour d'elle, j'ai commencé vraiment à comprendre concrètement ce que pouvait être l'ego, l'égocentrisme, l'effacement momentané de l'ego, le retour en force de l'ego, moi, 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 comment est-ce qu'on tient compte de moi, comment est-ce qu'on me traite, comment est-ce que je suis accueilli, et est-ce que ma me regarde, est-ce que ma ne me regarde pas, est-ce que ma s'intéresse à moi, est-ce que ma ne s'intéresse pas à moi. Donc, à la fois, elle crée les difficultés, ou les difficultés se créent autour d'elle, et en même temps, elle donnait la motivation, l'inspiration, pour ne pas se laisser submerger par ses émotions, et ses, plus ses émotions très, très douloureuses par ça, certains moments. Le souvenir du moment qui a été probablement le plus difficile, le plus cruel auprès de Ma, ça a été le voyage en avion, sans Muriel, que Denise quittait pour la deuxième fois, en 1961. Nous étions allés au mois de mai-juin, la chaleur torride, pour l'anniversaire de Ma, qui est toujours une nuit extrêmement spéciale. Et ensuite, Ma s'est rendue à Bombay, où elle logeait chez un Indien, Jain, très riche, qui dans sa belle propriété avait construit un pavillon pour Ma. Et ce monsieur et cette dame, je peux même dire leur nom puisque nous sommes devenus ensuite vraiment amis, monsieur Bikesha, étaient nos bourreaux. Et là, nous avons eu l'impression vraiment que nous étions trop. Je me souviens d'une souffrance. Un mois, ça a dû durer. Un mois de dire, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire? On nous servait à manger à 3h de l'après-midi, la nourriture froide, collante. On disait, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos repas à l'ashram ou non? Nous couchions de très loin de l'ashram, dans des conditions d'inconfort et de chaleur terribles, parce que nous avions encore très peu d'argent à l'époque. Il y avait des trajets en autobus compliqués. On nous disait, venez à 5 heures, ce sera l'heure où Ma va donner son darshan. Nous arrivions à 5 heures, on nous disait, mais Ma est venue de 3 à 5 et elle est déjà rentrée. Ça a été très dur, 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 je peux dire dur. On se dit, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire là? Nous avons chaud, c'est un inconfort complet. Nous sommes loin de notre petite fille Muriel pour être rejetée comme ça. Moi, j'ai perdu courage, perdu confiance très vite, tellement les difficultés s'accumulaient. Désemparé. Et tout d'un coup, Denise, qui était beaucoup plus forte que moi, m'a dit, bon, ben, la prochaine existence, incarnons-nous comme Brahman, ça n'est pas pour nous, c'est un beau rêve, nous n'avons pas notre place. J'ai dit, ça y est, Denise. Crac. Et à l'instant même, une jeune femme hindoue, Chitra, avec qui Denise avait noué une assez forte relation dans notre précédent séjour, et qui était insaisissable. Elle avait toujours quelque chose à faire plus tard, later on, sister, later on. Passant devant nous, s'arrête, vient à nous, nous regarde et nous dit, je sens, je sais que Ma veut vous voir le plus vite possible. 3 minutes après, nous sommes dans la chambre de Ma, et qui nous voyons assis par terre auprès de Ma, monsieur et madame Chat, tout penauds. On nous traduit les paroles de Ma,
Emma disant « Comment est-ce que vous pouvez être si peu amicaux, si durs avec des Occidentaux qui ont quitté leur pays, qui sont venus dans l'inconfort, la chaleur de l'Inde, une mère qui, par amour pour Ma, a laissé son enfant ?» Et à partir de là, tout a changé. Ce monsieur et Madame Shah sont devenus extrêmement hospitaliers pour nous. Nous sommes même devenus très amis. Nous avons accueilli Monsieur Shah à Paris quand il est venu. Mais je pourrais donner encore un exemple de cette tension entre la montée d'émotion et en même temps, mais pourquoi est-ce que je suis en Inde? Pourquoi? Et pourquoi c'était Mac qui elle-même était la réponse? La nommée Chitra m'avait dit, ne tournez pas toutes, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'avait dit, ne tournez pas toutes vos bobines de film chez Ramdas, gardez-en quelques-unes pour quand vous reviendrez auprès de Ma. Donc j'avais très peu de pellicules à l'époque, je la payais à mes frais, je n'en gaspillais pas un centimètre. Je tourne chez Swami Ramdas, je reviens auprès de Ma, rien de spécial à filmer, rien de spécial. Et un jour, tout le monde part en accompagnant Ma qui allait se marcher au bord d'un lac. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir filmer. Et chaque fois que je filmais, Ma faisait une grimace, tournait la tête, mettait la main devant sa figure, on aurait dit de la provocation pure et simple. Et c'était horrible pour moi. Je ne sentais plus aucun amour chez elle. Je perdais de la pellicule. C'était très important. C'était mon gagne-pain. C'était l'espoir de confirmer un commencement de carrière. Et tout d'un coup, intérieurement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, la réponse est montée. C'est pas la réussite à la télévision, c'est pas tourner des films, c'est d'atteindre cet éveil. Et à l'instant même, Mama regardait, c'était extraordinaire avec elle, regardait d'une... Si je revois son regard, maintenant, tant d'années après, je me replonge. Regard, un sourire comme elle en avait. Elle m'a fait signe, elle m'a montré la caméra de filmer. Le soleil était couché, la pellicule de l'époque, c'était encore du Kodachrome qui était peu sensible. Je me suis dit, Ma me dit de tourner, ce sera obligatoirement sous-exposé et inutilisable. Ça n'a pas été sous-exposé, contre toute attente de sensitométrie. Il y a une image, au clair de lune, il y a quelque chose sur l'antenne, on la voit dans le film. Mais le plus important en ce qui concerne Ma, ça a été qu'à partir du moment où je l'ai rencontrée, je me suis encore beaucoup débattu dans des difficultés en tout genre, mais je n'ai plus jamais été désespéré. Elle m'a donné une foi, une certitude que tout ce qui était dit dans les enseignements spirituels les plus sérieux était vrai. J'ai vu. Et il faut bien dire que la rencontre avec des sages, des grands sages, l'ouverture à leur influence, c'est une aide très puissante qui peu à peu s'enracine en nous, nous imprègne. En 1961, nous avons rencontré Swami Ramdas pour la première fois. Ça a été aussi une révélation. La force de conviction de Ramdas qui s'exprimait en termes religieux pour dire inlassablement « Confiez-vous à Dieu, confiez-vous à Dieu. Dieu n'abandonne jamais celui qui se confie à lui. » Mais j'avais beau admirer Ramdas, sentir un immense, immense amour pour lui, je me rendais bien compte, mais je ne peux pas suivre le chemin qu'a suivi Ramdas. Cette folie de Dieu marchant pieds nus sur les routes de l'Inde, c'est à Dieu de me nourrir si je suis malade, c'est à Dieu de me soigner. Le résultat était 100% convaincant en ce qui concernait Ramdas, qui était simple, d'humour, drôle, en plus il parlait anglais très bien. Mais son cheminement tel qu'il l'a décrit dans ses
ces ouvrages, traduits en français d'ailleurs, ne pouvaient en aucun cas être le mien. Je peux dire que c'était à la fois merveilleux, nous voulions faire ces voyages, mais l'inconfort, le manque d'argent, les crevaisons de pneus sur les routes, nous avons vraiment payé un prix en inconfort, en austérité, pas seulement le prix psychologique de se sentir parfois vraiment étranger dans le milieu hindou, mais les prix concrets, matériels, les pannes de voitures, les garages en Iran, au Pakistan, dans le sud de l'Inde. Des souvenirs durs, durs. Couchés par terre, sur le sol, parfois, la chaleur, et pas question d'air conditionné. Nous n'avions pas l'argent pour ça, nous couchions dans la voiture. Ou alors Denise couchait dans une cave sous le temple, au moins il faisait frais. Alors il y avait une intensité, parce que c'était pour la bonne cause. C'était pour Mahanandamayi, c'était pour Dieu en un sens. Et en 1963, le voyage avec Muriel, un ami indien qui était à la fois disciple de Ramdas et de Mahanandamayi m'a dit « Je vais rencontrer le Dalai Lama parce qu'on inaugure un orphelinat dont j'ai offert le dispensaire. » Et il était invité officiel et je me suis trouvé avec lui. Nous n'étions pas très nombreux et nous attendions devant un vieil hôtel du temps des Anglais, un peu démodé. Et tout d'un coup est arrivée une limousine noire avec deux motocyclettes, quelques officiels. Le Dalai Lama est sorti de la voiture tranquillement et a regardé successivement toutes les personnes qui étaient là. Il n'y avait pas une foule, hein, mettons une vingtaine. Toutes les personnes, tranquillement, et puis il est entré dans le hall de cet hôtel. Navneet avait une possibilité d'accès à lui et a demandé que nous puissions nous rencontrer. Et je lui ai dit que j'avais tourné des films sur l'hindouisme et que je voudrais tourner un film sur le bouddhisme et surtout que ce qui m'importait, c'était de filmer des sages dont la présence soit un témoignage. Et je lui ai dit, Murolines, je suis obligé, compte tenu de tout ce que ça engagera si on monte sur mes surpieds un tel projet, de vous demander de me répondre par yes or no. Le Dalai Lama ne m'a posé aucune question, rien. Il est resté silencieux, nous sommes tous restés silencieux, dans cet immense salon, pendant 2 ou 3 minutes. Et à la fin, il m'a regardé et il a dit « Yes !» L'entretien était terminé. Alors bien sûr, rentré en France, je n'avais plus qu'une idée, c'était de monter une expédition pour tourner les films tibétains. Et je suis parti avec une belle Land Rover solide, la fille qui avait grandi, le bébé qui venait de naître et des moyens financiers. Et nous avons donc commencé le tournage des films qui aujourd'hui existent sous le titre « Le message des Tibétains, première et deuxième partie ». J'ai rencontré tous les plus grands Rinpoché de la première génération, je veux dire celle qui avait été jusqu'à l'âge de 60 ans, 65 ans, formée au Tibet même, qui venait de se réfugier sur le sol de l'Inde. Ces maîtres étaient inconnus des étrangers. Le monde ne connaissait que le Dalai Lama et les bonnets jaunes de Dharamsala. Beaucoup, c'est la première fois, non pas qu'ils voyaient un occidental, mais qu'ils parlaient avec lui, et je leur ai posé beaucoup de questions, particulièrement sur la méditation. Et là, il s'est passé, du point de vue du chemin spirituel, une étape importante. J'étais, depuis si longtemps, passionné, pour ne pas dire fasciné, par cet éveil possible, cette sagesse, ce qu'incarnait Mahanandamayi ou Swami Ramdas. Mais il ne me venait pas à l'idée que ça puisse être vraiment pour moi.
Et ce qui s'est produit, c'est que le premier des grands maîtres Tigran Rinpoche tibétain que je rencontre, je lui pose des questions en dehors du tournage, des questions qui étaient fondées sur l'expérience Gurdjieff plus l'expérience hindoue. Il se rend compte que je suis pas simplement un touriste. Et il me dit, mais attendez-vous, parler de la sagesse, du bouddhisme, mais il s'agit de vous. Vous, atteindre l'éveil dans cette existence. J'étais, ça peut paraître étrange, sidéré. Et j'ai senti que quelque chose de radical, dont je rêvais, était peut-être possible, sans mesurer encore le prix qu'il y aurait à payer. Deuxième maître Rinpoche tibétain que je rencontre, je pose mes questions, même remarque, presque mot pour mot. Il ne s'agit pas du bouddhisme tibétain, ni du yoga tibétain, ni du Mahayana, il s'agit de vous. Est-ce que... Et il me dit, si vous voulez, vous restez chez moi. Et sa femme me dit, je m'occuperai aussi bien de vous que votre mère se serait occupée de vous dans votre pays. Bon, il n'était pas question que je quitte tout, que j'arrête la télévision pour vivre auprès de ce Lopan Sonam Zangpo comme Maturika a vécu auprès de Dilgo Khyentse Rinpoche. Mais là, une étape intérieure a été franchie, d'une approche beaucoup plus mûre, mature, de la voix. Et puis il y a eu quelques réponses, quelques paroles, un entretien avec un maître tibétain pour dire des choses en fait connues, mais que je n'avais pas eu l'occasion d'entendre ou de lire, ou dont en tout cas l'impact m'avait échappé. Dudjom Rinpoche, prenant cette image tellement simple, si vous contemplez un moment où le soleil n'est pas trop haut, l'immensité du ciel bleu, vous n'avez plus que ça dans votre champ de vision. Pendant un instant, toute pensée s'arrête et votre conscience prend, si je puis dire, c'est Arnaud qui parle, la forme du sans-forme. Et dans cette immensité du ciel passe un oiseau avec des couleurs merveilleuses. Alors moi je suivais ce que disait Dudjom Rinpoche, je me le représentais bien. Oh, que cet oiseau est beau! Oh, il s'est envolé, il a disparu. Et dans l'immensité du ciel passe un oiseau que vous considérez comme spécialement répugnant. Alors en Inde, c'est le vautour qui joue ce rôle avec son cou déplumé, un peu de viande sanguinolente dans son bec. Ah, il a disparu lui aussi. Ça a été une évidence. La conscience, on ne peut plus parler dans ce... La conscience est... Et c'était... Et puis c'est... Voilà. Le don de Dudjom Rinpoche à travers un interprète. Immensité, non impliquée dans l'espace, au sens de distance, plus près, plus loin, non impliquée dans la séparation, non impliquée dans le temps. La vraie nature de l'esprit, disent les bouddhistes. Et dans cette immensité, comme dans le hall d'une gare parisienne, les gens qui vont à gauche, à droite, ceux que nous trouvons beaux, ceux que nous trouvons laids, toutes les formes qui s'agitent et se poursuivent sous forme de pensée, d'émotion. Voilà, ça c'est un cadeau que fait un maître. Quel a été le cadeau de Dudjom Rinpoche? Voilà. Mon approche de la spiritualité était beaucoup fondée sur les idées de l'ésotérisme, des connaissances plus ou moins secrètes transmises de maître à disciple, de la maîtrise de soi, l'acquisition éventuelle de certaines, sinon pouvoirs, du moins capacités inhabituelles. Donc il y avait beaucoup, moi mon changement, moi ma transformation, moi mes états de conscience supérieure. Et j'étais nourri, comme le grand public, d'idées sur les pouvoirs mystérieux des lamas. Et ce qui m'a
chez tous, sidéré. Sidéré, c'était l'humilité, la simplicité, la bonté et l'insistance sur la compassion. L'insistance sur la compassion. Ça a été une leçon qui s'est immédiatement gravée, inoubliable, une bascule dans mon approche, mais j'avais une approche égoïste de la voix. Est-ce que Ma va me donner la libération? Est-ce que je vais atteindre l'éveil? Bien sûr, j'étais bien sensible au grand thème d'amour, de don de soi, de générosité. Mais là, le témoignage était si fort que mon approche de la voix à partir de là est devenue différente. J'avais vécu auprès de Ma Anandamayi, et une fois à Paris, mais en référence à elle, des moments où, disons, une expérience de supraconscience s'était produite, d'une intensité extraordinaire, complètement sur un autre plan, inoubliable, mais il n'en reste pas à peu près rien si ce n'est un souvenir. Et puis, deux expériences, coup sur coup, deux jours de suite, en face de Kangyur Rinpoche, que j'ai évoqué dans le livre Le message dit tibétain, fantastique. J'ai d'abord eu l'impression que j'avais, c'est difficile à dire, j'ai trouvé cette expression comme si j'avais 100 cerveaux travaillant simultanément. Et puis ensuite, un silence, un vide, plus de temps, plus de passé, plus de futur, plus de dimension, plus complètement, en effet, l'expérience de la formule « beyond time, space and causation », au-delà du temps, de l'espace et de la causalité. Et je savais aussi que ces expériences laissaient un souvenir, mais je ne pouvais pas les retrouver, que rien n'était à ma disposition, et que je ne voyais pas comment faire le lien avec les moments les plus ordinaires où je sentais que j'étais troublé, inquiet, soucieux, ou au contraire, emporté par une émotion heureuse. Et j'avais considérablement laissé de côté, comme n'étant pas spirituel, tout ce qui relèverait pour nous, en Occident, de la psychologie et éventuellement de la psychothérapie. J'étais attiré par l'éveil, la libération, l'atman, la nature de Bouddha, et je ne voyais pas, en dehors de la méditation, qu'est-ce qui aurait pu faire que mes journées, presque à temps plein, deviennent la pratique. Enfin, j'ai senti, Ma Anandamayi Ramdas d'un côté, les groupes Gurdjieff en France, ça n'est pas suffisant. Il faut impérativement que je devienne disciple à part entière, et je ne peux pas m'engager à 100% auprès d'un de ces maîtres tibétains. Ou l'idée et la réalité de la relation maître-disciple, maître qui enseigne, était évidente. Finalement, ce sont les maîtres tibétains qui m'ont acculé à trouver un maître parlant anglais, acculé à m'engager auprès de Swami Prajnapat. Donc j'ai pris ma Land Rover, je suis parti, je suis arrivé dans ce minuscule ashram, quelques huttes en terre à toit de chaume, au bord d'une petite rivière, ni téléphone, ni électricité, rien, perdu dans les rizières du Bengale, et personne, juste un serviteur indien qui me voit arriver avec ma Land Rover, me fait signe. C'était le milieu, le début de l'après-midi, la pleine chaleur. Il m'a fait signe de rentrer dans une de ces petites huttes. Et au bout d'un moment, une heure, deux heures, je ne sais pas, il vient me chercher, en mauvais anglais, Swamiji calling. La hutte de Swamiji était un peu plus grande, il y avait une plateforme devant. Swamiji était assis
sur cette plateforme couverte, assis sur le sol, sur un coussin. Je me suis assis en face de lui. Il m'a demandé « qu'est-ce que vous voulez ?» ne sachant même pas qui j'étais. Qu'est-ce que j'étais venu faire dans ce coin perdu ? La question la plus simple. Et j'ai répondu de tout mon cœur « Atma Darshan » qui signifie mot à mot la vision de la réalité ultime. « Very nice », a-t-il répondu. Et au bout de trois quarts d'heure, il m'avait complètement et merveilleusement, je dirais, déstabilisé et remis les pieds sur terre. Comment savez-vous qu'il existe un Atman ? Ben, c'est écrit dans les Upanishads. Comment savez-vous que les Upanishads disent vrai ? Quelle preuve en avez-vous ? Je bredouille. Mais Shankaracharya, le grand métaphysicien de l'Inde, et il me dit brutalement « Let Shankaracharya go to hell », ce qu'on pourrait traduire « Shankaracharya qui l'a se faire foutre », tout à fait inhabituel. En même temps, il y avait tel calme, telle noblesse et telle bonté qui émanait de lui, que je ne pouvais pas ne pas entendre. Mais tout était déroutant, inattendu, nouveau et convaincant. Alors, le premier entretien, je pourrais le reconstituer presque mot pour mot. Je dis que la preuve, je continue à parler de l'Atman, que pour moi, la preuve vivante que cette réalité ultime n'est pas un rêve, c'est Mahanandamayi. Il me répond, vous n'avez jamais vu Mahanandamayi. Qu'est-ce que c'est que ce malentendu ? Je parle pourtant convenablement anglais. Je commence, mais j'ai rencontré Mahanandamayi à telle date. Vous n'avez jamais vu Mahanandamayi, jamais. Vous n'avez vu que votre Mahanandamayi. Ah ! Et il enchaîne, personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde. Il m'a dit, il n'y a personne d'autre que vous à l'ashram, vous aurez un entretien de trois quarts d'heure le matin, un entretien de trois quarts d'heure l'après-midi. Et d'entretien en entretien, je réalisais ce que j'ai découvert n'a pas de prix. Pas de prix. Swamiji m'a montré que ce que je considérais comme l'empêchement au rappel de soi, le facteur d'oubli, d'emportement, d'identification, de distraction, pouvait être mon point d'appui. C'était renverser complètement la situation. Et qu'il n'y avait pas d'autre point d'appui possible. Et que tout le secret tenait en une phrase, pas ce qui devrait être, mais ce qui y est, c'était d'une simplicité totale. Entre autres, Swami Prajnanpada m'a dit « Vous arrêtez les méditations de concentration ». Et vous allez essayer d'être attentif au jeu du mental. Vous admettez complètement que des pensées, des rêveries vont se présenter, mais vous êtes là, vous les attendez et vous essayez de les voir. Je l'ai fait, et ça a été l'objet d'une grande prise de conscience dès ce premier séjour. Compte tenu du poids que les injonctions de mon père avait eu dans mon existence, j'avais été depuis longtemps convaincu que mon père m'avait étouffé. Et il m'est arrivé souvent cette pensée, si mon père était mort beaucoup plus jeune, j'aurais été beaucoup plus libre et beaucoup moins mal en point à l'âge de 20 ans et à l'âge de 24 ans. J'ai eu trop de pères, une présence étouffante dans mon existence. Et là, il y a eu une révélation. Parce que ces rêveries que j'observais, et ça m'a été relativement facile, je me trouvais toujours dans la situation de quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre dans des situations extrêmement concrètes. Imagination, ça, je laissais faire. Je suis à l'ashram de Mahanandamayi et j'explique à des Européens nouveaux venus qu'il faut faire très attention aux règles de Brahman, qu'il ne faut surtout pas s'approcher des cuisines, qu'il ne faut pas déposer devant le temple des sandales en cuir parce que ça pourrait être des sandales en cuir de vache et ce serait terrible. Donc il faut des sandales en plastique, c'est plus inoffensif.
Ensuite, je me trouvais en train d'expliquer à des Français qui étaient venus en voiture jusqu'en Inde qu'il y avait, et qui ne parlaient pas anglais, qu'il y avait en Delhi un garage dont le garagiste parlait français parce qu'il avait été formé par les usines Renault à un moment où Renault voulait s'implanter en Inde. Donc, j'expliquais des choses concrètes, concrètes, comment vivre, comment exister dans le monde. Et je raconte ça à Swamiji. Je vois bien qu'il y a un trait commun, un fond commun. Et il laisse tomber. Ça, c'est des moments les plus, je peux dire, immenses de mon existence. Et oui, on veut toujours donner ce qu'on n'a pas reçu. Et à ce moment-là, ça a été une prise de conscience. Je n'ai pas eu de paix. Le contraire de ce que je croyais. Il ne m'a pas appris comment on se débrouille dans les grands restaurants. Il ne m'a pas appris comment on se fait la cour aux filles. Il ne m'a pas appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Je n'ai pas eu un père qui m'ait appris. En fait, il ne m'a pas appris à nager. Il ne m'a pas appris à monter à bicyclette. C'est toujours quelqu'un d'autre qui m'a appris. Et tout d'un coup, là, en face de Swamiji, quand des centaines de souvenirs reviennent presque simultanément avec une intensité immense, il m'a appris à traverser le boulevard de Port-Royal sans me faire écraser. Très peu de circulation à l'époque. Voilà, tu regardes d'abord à gauche. Ensuite, quand tu es au milieu du boulevard, tu ne risques rien. Les voitures passent de chaque côté. Et après, tu regardes à droite. Et qui m'est appris une chose, une. Ça a été un tel souvenir que je pouvais avoir 7 ans, 8 ans, hein, éclater en sanglots devant Swamiji. Pleurer, pleurer dans le doti de Swamiji. C'est ça d'avoir un père. Donc au bout de 10 jours, j'avais reçu, compris, plus qu'en 14 ans. En même temps, ces 14 ans, c'est indiscutable, avaient été une préparation. Manandamayi, Ramdas, les groupes Gurdjieff, la rencontre avec les premiers Rinpoche tibétains. Tout m'avait préparé à être capable de me rendre compte, cet homme, ça n'a pas de prix. Il n'est pas impressionnant dans sa présence comme Kangyo Rinpoche. Il n'a pas la beauté divine de Manandamayi. Mais j'ai découvert quelque chose d'unique. Et tout me permettait de dire, il n'y en a pas un autre comme ça, accessible pour moi. J'ai fait au mois de juin un séjour auprès de Swamiji, qui a été assez un moment pénible, mais c'est inévitable. Je ne supportais plus l'Inde, je ne supportais plus la chaleur. J'avais l'impression de buter, que de nouveau je ne progressais pas. Et Swamiji m'a un peu, comment dire, poussé dans mes énervements. C'était un mauvais souvenir, ce souvenir. Ce séjour, mauvais souvenir. Donc j'ai repris la voiture, fait demi-tour, quitté l'Inde dont j'en avais franchement marre, retrouvé l'altitude, Kaboul est à 2000 mètres d'altitude, la fraîcheur, et là, je suis accueilli par un haut fonctionnaire du gouvernement afghan parlant très très bien français, qui me connaissait, et qui me dit, Desjardins, ça vous intéresse toujours les soufis ? Comme ça, ça s'est passé, oui. Alors voilà, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, des soufis, il y en a encore en Afghanistan. Deuxièmement, j'ai l'accord du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Information pour que vous puissiez chercher à les rencontrer et les filmer librement, s'ils sont d'accord. Il faudrait que vous parliez de partir avec quelqu'un qui n'engage pas le gouvernement. Essayez de convaincre un Afghan très cultivé qui parle très bien français, mais qui
Et bon, il a son caractère, il n'a jamais voulu s'engager dans la voie de l'Afghanistan moderne. Il s'appelle Mohamed Ali Raonac. Le nommé Raonac accepte de m'accompagner et en vérité, il avait perdu sa foi musulmane. Il était devenu, si on peut dire, athée. Ce qui n'a pas empêché que nous avons été magnifiquement accueillis. Nous avons fait une sorte de prospection des richesses mystiques de l'Afghanistan, systématique, avec les quelques informations que nous pouvions recueillir ici ou là, un village. Nous avons rencontré beaucoup de maîtres de grande envergure, plus que je n'en imaginais.